Bonjour à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui sont déjà connectés. On va prendre 2 minutes pour laisser le temps au dernier de se connecter et on va pouvoir débuter ce webinaire donc à 11h32. Il est 11h32, nous pouvons commencer. Donc une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre si nombreux pour ce webinaire dédié au sujet de la recharge de véhicules électriques en entreprise et chez les salariés. Je suis Benjamin Savenay, chef de projet marketing IRVE Rexel, et je suis aujourd'hui accompagné de Carole Cosenza, responsable expertise IRVE Freshmile, et de Camille Delfortry, market manager IRVE chez Aguerre. Donc on est parti pour un webinaire d'une trentaine de minutes qui va s'articuler en trois grandes parties. Tout d'abord, la question de pourquoi s'intéresser à la recharge électrique en entreprise, suivie d'une présentation de Freshmile, l'opérateur de recharge par Carole. Et enfin, Camille vous présentera les solutions Aguerre dédiées à la recharge en entreprise. Enfin, nous nous attendrons à une petite session de questions-réponses d'un quart d'heure environ à partir de midi. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat situé à droite de votre fenêtre et nous tâcherons d'y répondre pendant le webinaire ou en tout cas à la fin lors des questions-réponses. Alors pour commencer, le sujet principal de ce webinaire, la recharge en entreprise, pourquoi s'y intéresser? Eh bien déjà parce que des réglementations nous demandent de nous y conformer dans un premier temps. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a des obligations concernant le verdissement des flottes de véhicules, c'est-à-dire que lors du renouvellement annuel des flottes de véhicules utilitaires en entreprise, on voit que depuis janvier 2022, 10% des véhicules des flottes doivent être électrisés. Depuis janvier de cette année, on est passé à 20% et on voit qu'en 2027, au 1er janvier, on passera à 40%, puis 70% au 1er janvier 2030. Donc ça, déjà, des obligations réglementaires sur le type de véhicule qui doit être adopté en entreprise. Ensuite, vous avez déjà entendu parler probablement du verdissement de vos parkings, puisque effectivement la loi d'orientation des mobilités oblige au pré-équipement, donc c'est-à-dire le raccordement des places de parking, donc que le câble et la gaine soient passés en dessous pour pouvoir potentiellement y installer des bornes dans l'avenir. Et enfin, l'équipement. Donc on parle d'équipement au sein de la loi lorsque la borne est cette fois-ci installée et sortie de terre, prête à servir. Et vous voyez qu'il y a des obligations donc dans cette loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, sur les bâtiments non résidentiels neufs ou rénovés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un parking de plus de 10 places, déjà 20% de vos places doivent être prééquipées, donc prêtes à accueillir des bornes qui est le raccordement sous les places. Et enfin, pour les parkings de plus de 10 places, au moins une place doit être équipée d'une borne et c'est au moins 2 places pour vos parkings de plus de 200 places. Et enfin, pour les bâtiments non résidentiels existants, on voit qu'il y aura dans tous les cas une obligation d'équiper à minimum une borne par tranche de 20 places au 1er janvier 2025. Donc ça, ce sont des réglementations parmi d'autres. On va revenir très rapidement sur les obligations d'équipement des ombrières tout de suite. Mais vous voyez que déjà, c'est pour ça qu'on vous parle de ce sujet, c'est parce que vous êtes soumis à ces obligations pour certaines ou certains d'entre vous. Bien sûr, il n'y a pas que des contraintes. Passer à l'électrique et équiper vos entreprises de véhicules électriques et de bornes de recharge, ça représente certains avantages.
d'abord des avantages économiques, puisque forcément, le coût de fonctionnement des véhicules électriques et hybrides rechargeables est souvent inférieur à celui des véhicules thermiques. De plus, des aides à l'acquisition des véhicules peu polluants existent pour les entreprises. Enfin, ça vous permettra également de réduire vos frais d'alimentation. Donc, l'installation de bornes va vous demander un peu d'énergie, même parfois beaucoup dans certains cas en fonction de la taille de vos parkings. Il vous est possible de réduire ces frais d'alimentation en installant des ombrières, puisque on en parlait, j'évoquais le sujet tout de suite. Il y a également des obligations réglementaires désormais d'équiper vos parkings d'ombrières si vos parkings sont extérieurs et font plus de 1500 m². Également, il vous est possible de générer des revenus en facturant la recharge de vos visiteurs, par exemple. Non pas dans un premier temps pour dégager un bénéfice, mais peut-être tout simplement pour amortir déjà les frais d'alimentation de vos infrastructures de recharge sur vos parkings. Au-delà des avantages économiques, il y a bien sûr un avantage de confort pour vos salariés et vos visiteurs, donc, qui roulent déjà en électrique ou en véhicule hybride, qui puissent se recharger sur le lieu de travail, puisque on rappelle que 90% des recharges s'effectuent au domicile ou au lieu de travail aujourd'hui. Et vous équiper d'infrastructures en entreprise vous permettra également d'attirer davantage de clients et de visiteurs qui possèdent ce type de véhicule. Enfin, il y a bien sûr les avantages environnementaux. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de salariés ou de clients souhaitent s'orienter vers des entreprises qui sont engagées dans le développement durable. Donc, faire cet effort vous permet aussi de participer à améliorer votre image face à ce besoin qui est de plus en plus ressenti aujourd'hui. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas convaincu des avantages, il reste dans tous les cas les chiffres du marché qui, comme vous le savez, ne cessent d'être en hausse constante. 40 510, c'est le nombre d'immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui ont eu lieu en septembre 2024. Donc, ces chiffres sont fournis par l'AVER. Et on voit que dans les achats de véhicules électriques sur septembre, les entreprises constituent près de la moitié de ces achats et constituent également 80% des achats de véhicules hybrides et rechargeables. D'une manière un peu plus globale, au sens global du marché entreprise et particulier confondu, on est sur un marché qui a quand même fait x69 depuis 2014. On voit qu'on était à 27 920 véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation en 2014. Aujourd'hui, à fin septembre 2024, nous étions à près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides en circulation. On voit de plus que depuis 2018, les parts de marché sur la vente des véhicules électriques et hybrides augmentent, puisqu'en 2018, on était à 2,1% de véhicules électriques et hybrides vendus. En septembre 2024, l'AVER nous informe que ce type de véhicules représentait près d'un quart des véhicules vendus en France. Donc, qui dit, dans tous les cas, que ce soit pour vos clients ou pour vos salariés, plus de véhicules électriques implique plus de stations de recharge, plus de bornes. Et ce nombre accru de bornes peut vous demander une certaine gestion et un certain suivi de vos parcs d'infrastructures de recharge. Et c'est pourquoi je vais laisser Carole vous présenter FreshMile, l'opérateur de recharge et de mobilité. Merci Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de la société FreshMile. Donc, FreshMile est un opérateur de recharge et est expert de la mobilité depuis 2010, donc en France et également une partie en Europe. Nous avons intégré le groupe Rexel depuis 2021, avec qui nous proposons nos services. Donc, FreshMile a deux métiers. En fait, ça se décompose en deux parties. Notre premier métier est opérateur d'infrastructures de recharge. Nous appelons ça CPO. Nous gérons, nous suivons les bornes de recharge sur plusieurs sites. Nous effectuons la télémaintenance et ainsi nous coordonnons la maintenance sur site avec des installateurs qualifiés. Nous nous chargeons aussi de facturer les recharges et de gérer les accès aux bornes pour les rendre ainsi interopérables. Et ces bornes sont ainsi rendues visibles au public sur les cartes en ligne des autres aussi opérateurs de recharge. Notre deuxième métier est TEMSP, c'est opérateur de mobilité. Donc nous apportons toutes les informations aux conducteurs concernant tous les points de charge. Ces informations portent sur l'accessibilité,
l'accessibilité aux bornes, bien sûr, et sur la solution de paiement. Nous offrons une application mobile pour tous les usagers, ainsi qu'un support client et une hotline donc au conducteur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec tous ces services, bien sûr, FreshMile peut également vous proposer une solution clé en main, donc qui va de l'accompagnement de vos projets grâce à nos experts terrain sur le plan national, en passant par l'installation effectuée par nos partenaires installateurs qui sont également qualifiés aux infrastructures de recharge, jusqu'à l'exploitation des bornes de recharge sur un ou plusieurs sites. Alors, à ce jour, FreshMile gère environ 40 000 points de charge. Donc, on couvre environ 16% des bornes qui représentent aujourd'hui 150 000 points de charge sur le parc français, qui sont ouverts au public. Donc, cela va de la charge lente à 3,7 kg, 7 kg, un peu plus rapide, 28 kg, jusqu'à la recharge ultra rapide que l'on retrouve aujourd'hui en voirie ou sur les aires d'autoroute. Donc, FreshMile développe ses propres logiciels. Aujourd'hui, nous avons deux plateformes logicielles, mais nous avons également une application mobile qui sert aux aménageurs, mais aussi aux conducteurs. Donc, tous ces ensembles de services vous sont proposés, bien sûr, en différents abonnements. Ici, nous allons vous proposer le pack FreshMile Business. Donc, celui-ci est conçu pour les recharges sur les parkings en fait privés de vos entreprises. Donc, sont inclus dans ces services les différents packs que j'ai énumérés tout à l'heure. Donc, ici, nous avons la télémaintenance, la hotline pour les conducteurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le contrôle, bien sûr, des accès, le choix de facturer ou bien de rendre gratuites les recharges de vos véhicules. Et dans le cas, bien sûr, de paiement des recharges, nous nous occupons de rétrocéder les recettes. Et bien sûr, vous avez accès à une interface de supervision qui s'appelle PARC, afin de gérer et suivre en temps réel toutes les recharges. Nous proposons également de gérer la recharge au domicile de vos collaborateurs, donc qui utiliseraient un véhicule de votre flotte. Donc, il s'appelle Pack Employer FreshMile. Donc, ces services ressemblent à celui du Pack Business. Ici, par exemple, la tarification est unique et cela permet en fait de rembourser les frais d'énergie de vos collaborateurs. Nous pouvons aussi distinguer les recharges professionnelles ou bien les recharges personnelles grâce à une carte fleet, hein, une carte carburant comme on peut le dire. Voilà, il s'agit d'un badge FreshMile. Et grâce à ce badge, vos collaborateurs pourront l'utiliser afin de se recharger sur toutes les autres bornes qui sont ouvertes au public en France, mais également en Europe. Et enfin, l'essentiel, c'est que tous ces services que FreshMile vous propose sont compatibles avec une multitude de bornes, dont celle que va vous présenter Camille de la société Aguerre. Je laisse la parole à Camille. Merci, Carole. Bonjour à tous. Donc, je suis Aguerre. Je vais vous parler des solutions pour l'entreprise au niveau de la recharge des véhicules électriques. Mais avant, ce qui est important pour moi, c'est aussi de faire un petit focus sur qui est Aguerre dans la mobilité électrique. En fait, Aguerre, nous, on a commencé en même temps que FreshMile, hein, parce que ça fait aujourd'hui près de 15 ans qu'on est en activité sur les bornes de recharge avec à l'époque des projets tests où on a testé différentes configurations, comment aller passer la recharge des véhicules électriques, comment connecter un véhicule, comment ça dialoguer. Donc, on a participé à tout un tas d'expérimentations à l'époque pour vraiment comprendre quel serait l'usage du véhicule électrique et quel serait l'usage de la borne de recharge. Après, Aguerre, c'est une entreprise familiale, donc c'est un point qui est très important pour nous, et on est très fort dans la proximité et l'accompagnement. C'est vraiment notre ADN en tant qu'entreprise familiale. Donc aujourd'hui, si on parle d'activité Aguerre au niveau d'accompagnement, c'est des équipes qui vont être un peu partout en France, puisqu'on a 10 centres de compétences en France pour aider et accompagner les clients. Et on a aussi des centres d'expertise qui sont basés en Alsace, puisque le siège est en Alsace, à Aubernais et à Saverne, sans compter tous les formateurs qu'on a sur le terrain
qui sont là pour apporter les connaissances techniques aux installateurs, mais aussi pour aider dans le choix des solutions techniques. Au niveau des produits, donc l'ensemble en tant que fabricant, donc nous fabriquons, c'est un point qui est important. Donc c'est une fabrication qui est européenne dans nos propres usines et l'ensemble des produits qu'on retrouve sur le marché français aujourd'hui en termes de bornes de recharge sont conçus à Saverne, donc c'est en Alsace, où on a notre BU Énergie qui en fait conçoit les produits d'aujourd'hui, mais aussi les solutions pour demain au niveau de la recharge. Et chose qui est aussi dans notre ADN chez Aguerre, on a une petite connotation allemande, hein, c'est le côté alsacien, et on aime bien avoir des produits de qualité et qui sont robustes. Et aujourd'hui, on a un taux de retour qui est extrêmement faible sur des produits électroniques. On va proposer aussi des matériaux de qualité, puisque dès qu'on va parler de bois métallique, par exemple, on sera en acier inoxydable pour avoir une longévité aussi dans le temps. Et quand on parle de bornes de recharge, ce qui est important aussi, quand on parle de longévité de bornes de recharge, c'est de proposer aussi tous les services associés pour maintenir la durée de vie de la borne de recharge. Et c'est un point qui est très important pour nous, c'est qu'on a aussi disponible au catalogue l'ensemble des pièces détachées pour réparer toutes les pièces d'usure qu'on peut avoir une borne de recharge. Une borne de recharge, c'est un produit qui est manipulé par différentes personnes, surtout la prise. Et du coup, proposer des pièces de rechange directement en distribution est aussi un point qui est important pour la longévité des produits. Quand on parle de parking d'entreprise, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Parce qu'on a parlé un peu du verdissement de la flotte, mais il y a aussi l'impact qu'a la borne de recharge de la mise en place d'une infrastructure aujourd'hui dans une entreprise. On va se poser comme question, alors je vous ai mis un exemple, je vous ai mis cinq questions qu'on a souvent avec les clients, c'est quelles sont les habitudes et besoins des collaborateurs, puisque ben, c'est un point qui est important, c'est quels sont leurs besoins, comment mon entreprise peut répondre à ce besoin au niveau des collaborateurs, quel est le temps de stationnement moyen, ça simplement pour définir la structure qu'on va mettre en place, si des véhicules sont garés 2 heures ou 8 heures par jour, on n'a pas besoin de la même puissance pour correspondre aux besoins des clients. Quelle est la feuille de route de l'entreprise? C'est un point qui est très important aujourd'hui. C'est est-ce qu'on veut mettre l'entreprise en avant dans cette démarche de développement du véhicule électrique, ou est-ce qu'on veut simplement faire le minimum syndical? Donc c'est aussi quelle sera la stratégie d'entreprise au travers de ce verdissement de flotte. Et c'est un point qui est très important pour prévoir l'installation qui sera évolutive dans le temps et qui puisse s'adapter aussi à l'évolution du parc de véhicules électriques. Quel est l'environnement du stationnement et l'agencement du parking? C'est des points aussi qui sont importants puisque en fonction de l'emplacement où on va poser, on va pouvoir apporter différentes solutions techniques et proposer aussi, grâce à certains partenaires, des solutions vraiment spécifiques pour aménager, simplifier la partie travaux et vraiment simplifier la mise en place. Et ensuite, la politique en matière de facturation et suivi de recharge. Donc, c'est pour ça que ce qu'a présenté Carole est très intéressant. C'est qu'aujourd'hui, c'est fini le temps où on mettait à disposition des bornes de recharge gratuites sur les parkings des entreprises. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse facturer, valoriser ce service de recharge. Et c'est là où intervient justement le rôle d'un CPO, de pouvoir gérer ces bornes de recharge et amener aussi toute la gestion, parce qu'on a tendance à penser que c'est facile de gérer un parc de grappes de bornes, mais c'est un vrai métier, puisqu'il y a une assistance à l'utilisateur, quelqu'un qui a mal connecté son câble ou qui n'arrive pas à badger, donc il faut avoir toutes les notions de service derrière, et c'est pour ça que s'associer avec un CPO est un point qui est essentiel pour une bonne gestion de son parking. Au niveau des produits qu'on peut mettre en place, alors chez Aguerre, c'est assez simple, il y a trois produits, il y a trois produits phares. Le premier en recharge en entreprise, c'est notre borne Viti 1 point de charge. Donc c'est une borne qui est simple, facile à utiliser, qui est endurante. Elle est IP55, IK10. C'est vraiment une borne robuste qui a été faite pour des milieux difficiles, qui comporte un badge RFID. Donc elle est très simple d'usage. On passe son badge, on connecte son véhicule et on peut recharger directement. Elle communique bien sûr en OCPP, donc c'est le protocole standard pour dialoguer notamment avec FreshMy. Elle va être intelligente puisqu'elle va être capable, en association avec le gestionnaire d'énergie que je vous présenterai après, de réguler sa puissance en fonction de la disponibilité de l'énergie. Parce que ce qu'il faut pas oublier, hein, c'est qu'une borne de recharge, c'est un gros consommateur. Et ce gros consommateur, il va falloir en fait piloter son énergie.
toutes les infrastructures existantes aujourd'hui dans les entreprises ne sont pas capables d'absorber 10, 20 ou 30 points de charge supplémentaires. Donc, c'est un point qui est important sur cette gestion d'énergie. Et pour permettre une facturation, on va dire, au plus juste des consommations, elles intègrent aussi un compteur NED, qui est obligatoire aujourd'hui dans le cadre de facturation du kilowatt. Donc ça, c'est un point qui est essentiel aujourd'hui dans les bornes de recharge qu'on installe sur des parkings. Et ces produits, bah, comme j'ai dit, hein, sont conçus en France, à Saverne, donc dans notre BU Énergie. Et tout ce qui est en plastique chez Aiguère est fabriqué en Pologne, donc dans notre usine de Corbeil. Et c'est une borne capable d'aller de 7 à 22 kW, donc en termes de puissance. Alors pourquoi 22 kW? C'est une question qu'on a souvent des clients d'ailleurs. Pourquoi 22 kW? Bah, simplement, c'est la borne universelle aujourd'hui pour du parking public. Parce qu'elle permet de recharger aussi bien des véhicules monophasés qui seraient équipés d'un chargeur 7 kW que des véhicules triphasés en 11 ou en 22 kW. Donc c'est vraiment la borne universelle. C'est la borne qu'on pose systématiquement dans un profil d'entreprise. Au niveau d'une autre offre, qui est une offre en acier inoxydable, donc là c'est la Vitipark chez Aiguère. Donc la Vitipark, elle a une particularité, c'est une vraie deux points de charge 22 kW. Donc c'est vraiment une double borne dans une seule borne, qui va permettre de recharger deux véhicules en simultané à 22 kW, qui va intégrer bien sûr les compteurs NED, les prises TE, tout ce qui va bien pour aujourd'hui une borne accessible à tout le monde, qui va communiquer en OCPP vers l'opérateur de mobilité, et qui va nous apporter aussi des avantages pas négligeables quand on va faire une gestion de parking. On verra après, j'ai mis quelques photos d'exemples de réalisation. L'avantage de la Vitipark, c'est que déjà on peut installer un coffret en pied de borne qui permet de simplifier le raccordement, donc ça permet de simplifier la mise en œuvre de la borne de recharge. Et on a aussi la possibilité de les monter dos à dos, ce qui nous permet de faire quatre points de charge, donc de pouvoir fournir en fait quatre places de stationnement avec deux bornes, avec un seul massif béton. Donc ça permet vraiment de simplifier aussi la partie travaux, qui est un autre poste important de dépenses quand on met en place une infrastructure de recharge. Et donc cette borne de recharge est fabriquée donc en Allemagne, à Eltersberg, dans notre usine à Guerre. Le point le plus important aujourd'hui, alors je dirais, moi je l'appelle la pierre angulaire, mais ça c'est mon terme interne, mais c'est vraiment l'élément le plus important pour moi quand on met en place une infrastructure, c'est de gérer la puissance des bornes de recharge. Et pour gérer la puissance de bornes de recharge, on met en place en fait un gestionnaire. C'est un produit qui va être capable de réguler la puissance des bornes de recharge en fonction de l'énergie disponible sur le site. Et ça va permettre d'amener un vrai pilotage de l'énergie et de faire en sorte qu'on n'ait pas de déclenchement ou de surcharge au niveau de son abonnement. Donc le rôle de ce produit, donc il va être capable de gérer jusqu'à 40 points de charge. Il va aussi communiquer avec l'opérateur de mobilité. Donc ça permet vraiment d'avoir une infrastructure qui soit saine et de vraiment gérer l'énergie au plus juste en fonction des consommations du bâtiment. Et dans le cadre d'entreprise, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet justement de lisser un profil énergétique sur une matinée, par exemple. Parce qu'en entreprise, en général, les véhicules sont garés au minimum 4 heures, voire des fois 8 heures. Donc ça permet en fait d'avoir une puissance plus faible au niveau de l'alimentation du parking et de réguler de façon intelligente l'énergie pour que tout le monde à la fin reparte avec l'énergie disponible. Donc ça, c'est un point qui est important aujourd'hui quand on met en place une infrastructure de recharge, c'est de penser à cette gestion de l'énergie. On pourrait penser bêtement qu'on peut mettre des simples prises pour recharger des véhicules électriques et que ça suffit. Alors ça suffit quand il y en a 3-4. Quand on commence à avoir une vingtaine de prises qui sont installées avec pas de gestion énergétique, ça commence à être compliqué dans l'infrastructure. Donc c'est pour ça que la borne de recharge avec un gestionnaire amène un vrai pilotage de l'énergie, une vraie intelligence de l'énergie. Donc ce produit donc s'installe au tableau électrique, est un produit facile. Ce qui est important, alors comme l'a expliqué Benjamin au début, on a différentes obligations qui arrivent. On a l'obligation d'équipement des bornes de recharge, on a aussi la mise en place d'ombrières photovoltaïques qui arrivent sur les parkings supérieurs à 1500 mètres carrés avec deux échéances en fonction de la taille globale du parking. L'avantage d'une telle solution, c'est qu'aujourd'hui, on a une opportunité. L'opportunité pour une entreprise, c'est simplement d'équiper une ombrière photovoltaïque, d'intégrer des bornes de recharge et d'amener une gestion de puissance de la globalité. C'est-à-dire de prendre en compte la consommation du bâtiment, mais aussi de prendre en compte l'énergie photovoltaïque produite.
pour recharger au mieux les véhicules et maximiser l'autoconsommation. Et c'est ce que va nous permettre aussi de faire ce gestionnaire d'énergie, c'est qu'il va prendre en compte, comme son nom l'indique, un gestionnaire d'énergie. Donc, il va prendre en compte les énergies disponibles et il va les appliquer aux bornes de recharge, ce qui permet vraiment d'amener une vraie intelligence de gestion globale d'une grappe de bornes. Donc là, c'est un exemple qu'on voyait ici avec une ombrière photovoltaïque et des bornes Vitipark installées en dessous. J'ai passé un slide. Au niveau, donc là, on a fini sur la partie entreprise. Au niveau de la recharge à domicile. Donc, au niveau de la recharge à domicile, donc, ce sera pour nous le même produit actuellement. Je parle à l'heure où on se parle. Ce sera le même produit que le produit tertiaire, c'est-à-dire notre borne, un point de charge VitiCher, qui a les mêmes avantages qu'en partie tertiaire, donc compteur MID, équipable d'un délesteur, lecteur RFID communiquant vers l'opérateur de mobilité. Et cette borne va toujours de 7 à 22 kilos. Donc ça, c'est, on va dire, la borne actuellement pour répondre à la flotte d'entreprise. Et là, bah, vous êtes des chanceux, puisque bah, on va sortir une nouvelle borne de recharge qu'on a développée spécifiquement pour la recharge du salarié à domicile, qui est celle-ci, donc la VT1, dans sa version communicante pour la flotte d'entreprise, qui est une borne qui a été vraiment pensée pour la recharge du salarié. C'est-à-dire que c'est une borne qui est faite pour être installée à domicile, c'est-à-dire qu'elle va être compatible avec la téléinformation client. Donc le compteur Linky, hein, qu'aujourd'hui on a partout dans nos logements, qui va permettre non seulement de gérer la puissance disponible du logement, donc de pouvoir faire le management de l'énergie, mais aussi qui va nous permettre de gérer les tarifs du collaborateur. C'est-à-dire que si par exemple on a un abonnement heure creuse, heure pleine, on va pouvoir, la borne va attendre d'elle-même le passage en heure creuse pour démarrer la recharge du véhicule et ainsi optimiser en fait les coûts énergétiques. Donc c'est vraiment une borne qui est faite pour la recharge à domicile, puisqu'elle va intégrer bien sûr le compteur MID pour la recharge, mais elle va intégrer aussi une application pour que l'usager puisse visualiser ce qui se passe au niveau de sa recharge, ce qu'il a en attente. Il va pouvoir forcer la recharge, l'annuler. Il va pouvoir aussi moduler sa vitesse de recharge avec deux niveaux de vitesse. Et on va pouvoir créer une borne totalement indépendante du réseau, enfin, du collaborateur. Puisqu'au niveau de la communication, on va pouvoir intégrer directement une clé 3G dedans, dans la borne de recharge, pour communiquer directement avec FreshMail. Donc, ça permet vraiment de simplifier la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on a une borne de recharge qui communique d'elle-même vers l'opérateur de mobilité et qui est adaptée à la recharge du salarié à domicile. Donc, ça, c'est la petite nouveauté et elle arrivera courant décembre. Donc ça, c'est une petite nouveauté de cette année chez Aguerre. Et comme vous pouvez voir ici en implantation, au niveau de la recharge en entreprise, donc là, vous avez un exemple de bornes VitiCher qui seront installées donc, sur des pieds simples ou doubles. Donc comme je disais chez Aguerre, hein, dès qu'on est en borne de recharge à l'extérieur, on est sur de l'acier inoxydable. Donc les pieds sont ici en acier inoxydable. Et on va retrouver des infrastructures, donc soit en VitiCher ou en Vitipark. Avec, comme vous pouvez le voir en haut à gauche ici, un exemple d'une ombrière avec des bornes Vitipark en dos à dos et des bornes VitiCher. Il y a un mix sur ce chantier. Donc, c'est vraiment des bornes que vous avez sans doute déjà rencontrées sur le terrain, parce que les bornes Vitipark sont installées depuis pas mal d'années, pas loin de 10 ans. Donc, elles ont une belle expérience au niveau de la recharge des véhicules électriques. Je vais laisser la parole à Benjamin. Merci Camille. Donc effectivement, par rapport à ce que nous vous avons présenté avec Carole et Camille, je précise et je rappelle que vous soyez installateur ou propriétaire de parking ou d'entreprise avec une personne référente sur la partie technique de vos parkings. Je rappelle que Rexel propose diverses formations qualifiantes pour pouvoir justement vous mettre à niveau ou permettre à vos équipes d'installer les infrastructures que vous souhaitez sur vos parkings. On vous propose également via nos équipes un accompagnement au chiffrage sur mesure de vos solutions, aussi des services d'accompagnement administratif qui peuvent être nécessaires. Vous pouvez également retrouver toutes les solutions que vient de vous présenter Camille donc sur rexel.fr ainsi que la page dédiée à l'opérateur FreshMile et enfin des solutions de financement. Donc, toutes ces solutions sont compilées, disponibles et consultables via une page environnement dédiée à nos solutions RVE sur rexel.fr.
donc que l'on vous invite à consulter dès à présent en scannant le QR code ci-dessous. Donc merci d'avoir assisté à ce webinaire. On va vous laisser quelques minutes pour formuler les questions qui ont pu vous venir lors de la présentation de Carole et de Camille, et nous allons tâcher d'y répondre. Donc Camille, je ne sais pas si tu as pris en compte les questions qui ont été posées dans l'onglet questions, juste à côté de chat. Je suis en train de lire. Je consulte les deux pour être sûr qu'on n'ait rien oublié. Je vois que Carole a répondu à une question. Oui, oui, concernant les badges fournis, oui. Avec les bornes à guerre. Donc c'est vrai que nous, afin de gérer les accès, etc., les services FreshMile, il sera nécessaire d'utiliser les badges FreshMile. Et on ne préconise pas du tout d'utiliser les badges fournis par les fabricants. Voilà. Donc ce sera primordial. Oui. Et puis c'est même plus simple dans l'usage parce que ça permet d'avoir le badge FreshMile pour la recharge à domicile, la recharge en entreprise et la recharge en itinérance. Oui. Donc c'est plus exactement, simple. Pour une itinérance, d'avoir un seul et unique badge. Oui. Ces badges sont compatibles sur une multitude de bornes aussi. Hein, donc, Il y avait une question de Pascal sur un contrôle périodique est-il obligatoire? Donc aujourd'hui sur les bornes de recharge, donc notamment dans le cadre du label Avenir, il y a une obligation d'un contrat de maintenance. Donc ça veut dire qu'il faut aussi vérifier les bornes de recharge. Après, pour moi, ça me semble logique, hein, parce qu'on est quand même sur des pièces d'usure, on est sur des produits qui sont sollicités, hein, donc on vient brancher, débrancher une prise plusieurs fois par jour. Donc c'est important aujourd'hui pour moi, de proposer un contrat de maintenance ou de souscrire un contrat de maintenance pour s'assurer du service au niveau des bornes de recharge. Parce que pour le vivre en tant qu'électromobiliste, donc aujourd'hui, quand on roule en électrique et qu'on arrive sur une borne de recharge qui est défaillante, ben c'est toujours agaçant en fait. Et quand elle est défaillante pendant plusieurs mois, c'est encore plus agaçant. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes aujourd'hui. Alors du coup, Aga assure ses contrats de maintenance. Donc non, on passe par c'est nos clients hein, qui assurent les contrats de maintenance. Nous, on est fabricant de matériel électrique, donc on n'intervient pas sur le terrain. On forme par contre. Alors oui, je vois qu'il y avait, quels seraient les points d'entente. Alors, quand vous parlez de flotte, est-ce que ça inclut les véhicules de fonction? Ben oui. En fait, c'est vraiment c'est justement la recharge du salarié à domicile, on parle des véhicules de fonction. Donc, c'est un point qui est dedans. Alors, quels seraient les principaux arguments à mettre en avant concernant le contrat de maintenance? Alors, les arguments sont assez simples. C'est le contrôle électrique. Vous avez quand même des prises capables de délivrer jusqu'à 32 ampères. Hein. C'est pas innocent. Hein. C'est un très, très gros consommateur. Donc, vérifiez les serrages au niveau des connecteurs des prises de courant. Vérifiez l'état général en termes de sécurité pour les salariés qui viennent se brancher. Si vous avez une prise qui a été cassée soit une mauvaise connexion ou une mauvaise manipulation, ça peut devenir un élément dangereux. C'est important de vérifier ces produits actifs et de faire en sorte que tout soit dans une bonne sécurité. Au niveau de la liste des partenaires Aguerre, oui, c'est disponible sur le site aguerre.com. Alors, la partie de délestage est intégrée. Alors, je fais les questions au fur et à mesure. Je m'arrête, Carole, s'il y a des questions qui me concernent. Parce que la partie de délestage est intégrée dans le gestionnaire. Bah oui, c'est son rôle, en fait. Hein. Donc, il va mesurer au niveau de l'arrivée générale. Donc, si par exemple, vous avez votre abonnement, je sais pas, tarif jeune à 400 ampères. Il va mesurer, en fait, votre abonnement. Et si on voit qu'on arrive en limite, qu'on va dépasser, il va réguler en fait la puissance des bornes de recharge pour éviter ce dépassement justement. Et vraiment je compléterai. Oui. Je compléterai pour du côté FreshMile que nous ne proposons pas ce service de délestage comme certains pourraient le penser. Donc là, c'est bien externe à nos services. Oui. En fait, le délestage, c'est important pour nous de le traiter en local. En fait,
Le gestionnaire d'énergie va être installé en local sur site, qui permet de s'affranchir de tout délai de connexion, de délai Internet. Et c'est pour ça qu'on préfère avoir notre gestion de puissance installée sur le site avec une vraie prise de mesure. Ça permet vraiment d'être au plus juste de la consommation du bâtiment. Alors, le gestionnaire est-il compatible avec toutes les bornes? Ben, malheureusement, non. Alors, non, pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, l'OCPP est un standard de communication. Par contre, il y a quelques adaptations qui sont faites par les fabricants de bornes de recharge. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un produit compatible multimarque. Donc, le gestionnaire aujourd'hui, Aguerre, est compatible pour les produits Aguerre, parce qu'on garantit le fonctionnement des produits Aguerre. Pas de votre côté, moi, les questions ne bougent plus, c'est figé. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Ah oui, ça revient. Alors, est-ce que l'installation d'une borne pour 20 places de parking est vraiment une obligation? Oui, c'est dans la loi Climat et Résilience. Il y a le décret d'application qui est disponible sur Légifrance. Vous pouvez retrouver en fait sur Légifrance les différents décrets. Donc, il y a, en fait, il faut voir dans, il y a deux choses. Il y a historiquement, c'était versé dans la loi d'orientation des mobilités. Les articles de la loi d'orientation de mobilité ont été abrogés et reversés dans la loi Climat et Résilience. Et si vous allez dans la loi Climat et Résilience, vous allez retrouver les obligations en termes de recharge sur les parkings accessibles au public, mais aussi sur ce qui est accessible, parking existant. Alors, pour là, je vois une question. Pour la recharge d'entreprise, la VT1 dispose de cartes de communication qui sera bientôt commercialisée. Alors, attention, ce n'est pas pour la recharge en entreprise, c'est vraiment la recharge du salarié à domicile. Elle est vraiment faite uniquement pour la communication du salarié à domicile. C'est-à-dire que quand on va être sur une borne en parking d'entreprise, par exemple sur le site de l'entreprise, les opérateurs de mobilité ont besoin de beaucoup plus de communication avec la borne de recharge pour avoir la possibilité à distance de redémarrer, de déconnecter des câbles, enfin de déconnecter informatiquement la prise dans le produit. C'est des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées dans la recharge du salarié à domicile. La VT1 communicante est vraiment dédiée à la recharge du salarié à domicile. Tiens, un paramétrage à faire sur la borne pour initialiser l'entrée des lestages. Alors, en fait, avec la téléinformation, la borne VT1 va détecter automatiquement. Alors, si on parle de la VT1, elle va détecter automatiquement la connexion de la téléinformation client. Et après, il faudra juste paramétrer dans l'application Bluetooth est-ce qu'on veut charger en heure creuse, en heure pleine, ou est-ce qu'on a des tarifs spécifiques. Alors, le compteur MID sera compris dans la VT1 ou en pièce détachée dans le tableau, donc il s'installe au tableau, hein, le compteur MID. Alors non, c'est une borne 22 kW. Je sais pas qu'est-ce qui a mis ça. C'est Jean-Luc. Je pas de sens. Alors la borne VT1, c'est 11 kW. C'est une borne 11 kW. Et par contre, les bornes en tertiaire sont 22 kW. Donc les VT-Share et VT-Park. J'essaye de suivre les questions. Il y en avait une aussi sur est-ce qu'une borne Witty One est prévue avec un câble attaché? Alors, pas pour le marché français aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché français impose des obturateurs pour toute prise inférieure ou égale à 32 ampères. Donc, on est toujours sur une prise T2S avec obturateur. Après, j'ai une question sur pour parler des coûts des services et des produits. Bah écoutez, pour cela, on communiquera avec nos commerciaux afin de nous apporter un devis, en tout cas, sur ces services. Sachez que les services Fresh Mile sont proposés à minima sur un an.
et on propose des déclinaisons sur 3 ans, voire 5 ans. Enfin voilà. Donc il est possible d'avoir ces déclinaisons sur les différents services et abonnements que Freshmall propose. Ah, merci. Je vois que Jean-Luc a précisé un petit peu la question. Donc, la question du délestage sur une borne 22 kg, accorder un délesteur téléinfo sur l'entrée INA. Alors, oui, il faut paramétrer la borne, puisqu'en fait, vous allez pouvoir choisir à quel niveau la borne descend. En fait, vous allez pouvoir, par exemple, lui dire de descendre à 16 ampères ou descendre à 6 ampères. Vous pouvez même, en fait, utiliser les deux entrées et faire une entrée qui fait un arrêt total de la borne et un arrêt qui fait une réduction. Donc on peut paramétrer les deux entrées indépendamment. Et c'est des entrées de 130 volts. Donc ça reste simple à raccorder. Alors la liste des partenaires installateurs, bah on l'enverra, on va vous l'envoyer Pascal, on a l'adresse mail. On vous enverra la liste des partenaires installateurs dedans. Alors, la VT1 sortira-t-elle en 22 kW? En 11 kW, 7 kW. Alors, pas cette année, mais l'année prochaine. Elle se rappellera pas VT1, mais ce sera la même borne, mais elle sera en 22 kW. En fait, la première étape, c'était de sortir la borne résidentielle, donc en 11 kW et 7 kW, qui pour nous suffit, en fait, en résidentiel. Et la borne, une nouvelle borne arrivera l'année prochaine qui elle sera capable d'aller jusqu'à 22 kW, qui sera dans le même design et même format que la VT1 actuelle. Ah, ok. Donc, nous avons fait le raccordement de 130 volts sur les rentrées. Bah, n'hésitez pas à appeler enfin, le CET chez nous. Hein, donc vous allez tomber sur Thierry Etienne ou d'autres qui pourront vous aider hein, directement. Appelez directement chez nous et vous aideront sur la manière de paramétrer. Alors, Carole, il y a une question pour toi. Donc là, oui, savez-vous quelle fiscalité s'applique aux salariés en home office de la société installée une borne à son domicile? Bon, écoutez, ben là, sur le coup, le point essentiel, justement, c'est de pouvoir, on va dire, rembourser les frais de vos salariés à domicile, en fait. Donc là, l'obligation, ben, c'est de pouvoir relever, on va dire, ce comptage pour pouvoir éviter justement les frais à déclarer par vos collaborateurs. Donc on s'occupe, en tout cas Freshmall s'occupe de remonter ces données et de gérer, enfin, et de rembourser, on va dire, le collaborateur pour vous. Enfin que voilà, c'est le seul, on va dire, sujet sur place à domicile, en tout cas pour vos collaborateurs. Donc, je sais pas si ça répond à vos questions. Il y avait une autre question, Carole, c'était vous parliez de référencement sur plusieurs centrales d'achat pour les établissements, si je l'ai perdu. Oui, Vous parliez de j'ai. référencement sur plusieurs centrales d'achat pour les établissements publics, auriez-vous une liste à transmettre? Alors, on peut vous fournir, on va dire, une liste d'établissements, voilà, on va dire, en fait, avec qui on travaille en collectivité, et puis aussi, ben voilà, avec qui on peut être intégré. Si je prends un exemple, dernièrement, on avait intégré le CEDRE, donc pour ceux qui connaissent. Voilà, il y en a d'autres, il y a d'autres centrales d'achat. Donc après, n'hésitez pas à nous écrire, on pourra vous envoyer ces informations. Dernière question Dernière de question la avant de VT1 commencer. sera-t-elle évolutive vers les fonctions solaires et Wi-Fi? Oui, tout à fait. En fait, c'est prévu, ça arrivera l'année prochaine, enfin milieu d'année prochaine. Et midi 15, je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées.
Encore une fois de plus, Carole et Camille se joignent à moi pour vous remercier de votre présence aujourd'hui et d'avoir été si nombreux pour ce webinaire. Merci à toutes et à tous. On espère avoir éclairé vos lumières sur le sujet. Et on vous remercie de votre confiance et de votre participation. Passez une excellente fin de journée. Merci. Merci, à bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir.